Ah bah ils ont beaucoup de voix unique. Ça se passait pas mal en voix unique, parce que nous on est double voix systématiquement et quasiment partout, surtout dans les grosses villes. Oui. Là où les infrastructures sont assez larges, hein, c'est en Italie. Hein. Ouais. Là-bas, moi j'ai été étonné, j'ai jamais fait l'accompagnement parce que je parle pas la langue déjà. Et puis ils sont deux conducteurs, donc. Voilà, ouais. Et bon, ça pose un problème, quoi. Ils ont encore la chance d'être à deux. Ouais. Ouais, mais vous savez, je crois que malheureusement pour eux, avec la réglementation européenne, là. Vous vous rendez compte que la Commission européenne, passé un temps, voulait supprimer les cours à boire pour les pizzas. Mmh. Alors, bientôt, ils vont nous dire à quelle heure il faut aller au cabinet. Ouais, tout à fait. Hein? Alors, un pays qui reste avec deux conducteurs, alors que dans toute l'Europe, malheureusement, les agents sont tout seuls. Enfin, pour l'instant, bon, tant mieux pour eux, quoi. Ouais. Ça permet d'avoir un boulot, et puis voilà, quoi. Ouais, ça fait des chômeurs en moins, hein. Bah oui. Et puis pour la sécurité, c'est mieux quand même. Hein. C'est moins pénible au niveau de la solitude. Hein. Oui, c'est vrai. Nous, on est constamment tout seul. Hein. Ben vous savez, il y a une année, là, la ville du Rail avait, en début d'année, avait fait sur 8 semaines, 8 reportages sur les conducteurs dans les différents pays européens. Et bien dans tous les pays où ils sont un conducteur unique, le premier truc que les conducteurs déploraient, c'était la solitude. Parce que ils disaient que même en allant dans les foyers le soir, comme vous avez un découché ce soir, eh bien, ils arrivent même des fois à ne pas se parler entre eux parce qu'ils ne se connaissent pas. Tout à fait, ouais. Donc vous êtes seul sur la machine, vous êtes seul au foyer, il n'y a que quand vous êtes chez vous, quoi, en fait. Bah, même chez nous, on arrive à être seul, hein. Oui, vous arrivez quand les enfants partent à l'école, voilà. Ou des choses comme ça. C'est le problème numéro un, je crois.